qualité que même les détracteurs de J. Jonah Jameson lui concèdent, il reconnaît quand il a tort. Et au vu des efforts de Spider-Man lors de la récente crise, j'ai espéré qu'il devienne enfin un citoyen responsable, quelqu'un de mature. Je l'admets volontiers, j'avais tort. Je voulais y croire, je voulais que ça arrive. Mais même une montre en panne indique la bonne heure 2 fois par jour. Et apparemment, enrayer l'épidémie aura été pour Spider-Man son instant montre en panne. Ah bah dis donc, il y a de l'action, dis donc. Mais ça va, les flics, ils arrivent toujours à bien s'en sortir. Il n'y a pas trop de morts, ça va, c'est tranquille. On n'est pas non plus dans Batman. Dans Batman, c'est l'hécatombe, hein. Putain, c'est du demande comment la police de Gotham est encore debout, parce que quand tu regardes le nombre de trucs... Hein. Bon bah c'est... allez vas-y on va... Je suis sûr que je peux réussir à faire l'autre moitié en une session l'autre moitié de ce DLC, on va se marrer. Je les ai foutus. En tout cas je vous prévois plein de surprises hein, niveau let's play. Je sais pas s'il y en a certaines qui ont déjà commencé, on verra. Puis en même temps il faudra que je continue aussi après le critère. Hein. Je refuse de réceptionner ce colis. Oh putain, carrément, le mec à la machine gun. Hein. Ça c'est nouveau, ça me fait penser à d'Uncharted. Hein. Un peu le mec à la machine gun. Putain, les mecs ils sont super forts pour se retourner en un quart de seconde pour pouvoir réussir à me contrer. Hein. Bon. C'est bon, j'ai eu tout le monde. Maman, call me maybe! Il s'y fout derrière la bagnole de flics, lui. Ils sont où les flics? Ils sont évaporés. Putain, c'est comme dans l'autre jeu, tu sais, que JDG il avait fait. C'était Virus, où les ennemis, à peine ils sont touchés, tu sais, quand ils meurent, ils disparaissent. Vas-y, je t'écoute. La fille avec les cheveux blancs, elle nous a dit de venir ici et de faire du bruit. Piège à con. J'en fais un beau. Tu l'as vu où? À la bodega, sur Waverly. MJ, cette fusillade c'était une distraction. Black Cat l'a organisée pour éloigner les flics de Waverly Street. Une des familles de la Magia a une planque sur Waverly. Les Cicero, je crois. Je peux peut-être encore la voir. Felicia prend son temps en général. Elle est méthodique. Ah oui? Je te tiens au courant. Voilà la boutique. Ok, Felicia, où tu te caches? Oh, t'as laissé des traces partout! Oh là là! C'est dégueulasse! Elle utilise ça pour les planques. Qu'est-ce que tu regardais, Felicia? Encore les trucs? Alors, il faut encore vérifier, ok. J'espère que les top 10 vous aimez bien aussi. J'en avais préparé pas mal de nouveaux. Alors, voilà. Salut, petite sotte. Bon, ça va, il nous reste plus qu'un seul truc secondaire à faire, et normalement, ce sera les défis de Scooball, machin, bibi chouette, Scooball. Hey! Salut, Spidey. Felicia, la magie plaisante pas, je joue pas trop avec eux. Oh, mais tu sais que j'adore jouer. Spider-Man, il bosse avec la minette. Chopez-le! Comment on arrive à le voir? Oh le mec, je fais bugger. Vous emballez un peu. Je travaille pas pour Anored ou une autre famille. Je suis juste au mauvais endroit au mauvais moment. Ils se ensemble tous, n'empêche, hein, ce putain de mafieux, et voilà. Oh. Bon, au moins, il y a des nouveaux types d'ennemis, hein, comme ceux à la Gatling, mais bon, pas trop, ouais.
Vas-y. Ça faisait longtemps que je vais pas balancer des trucs. Ça va peut-être pas, mais je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé du Spider-Man. Là, je reprends. Tiens. Eh ben, c'était sympa. Mais où est Félicien? Ok. Félicien. Oh, t'es le maman. J'aime bien te regarder. Ça me rappelle de bons souvenirs. Y'a quoi sur cette clé? Je sais pas exactement, en fait. Alors pourquoi la voler? Parce que sinon... ils tueront mon fils. Quoi? Ton fils? Merde! Merde. Félicia a un fils? Impossible. Enfin, si, c'est sûrement possible, mais je pense... Oh non, 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 je peux pas penser à ça. C'est mon gamin! J'ai trouvé Black Cat. On a un enfant! C'est ta MJ là qui fait ok. Elle a volé une autre clé USB. Alors chaque famille en a une. Je me demande ce qu'elles contiennent. Est-ce que t'as d'autres infos? Non, pas vraiment, non. D'accord. On dirait qu'elle aide Hammerhead à prendre le dessus sur les autres familles de la pègre. Et ça pourrait mal finir pour tout le monde. Cette ville a vraiment pas besoin d'une guerre des gangs. Je t'appelle si j'ai... Mais il y a tout le temps ça, c'est New York, les gars. Réveillez-vous, vous êtes sûr que vous habitez dans cette ville? Non, c'est un lundi comme un autre. Une minute. Screwball? Ne dis pas que t'es sorti de prison. Et si, mon petit Spidey? Mais elle était, en tôle. Quelques-uns de mes abonnés. Franchement, ils sont pas... Mais attends, elle était même pas censée être en tôle, normalement, parce qu'il y avait aucune charge d'accusation vraiment contre elle. Attends, je comprends plus rien, là, c'est pas logique. Parce que dans l'autre truc, ils disaient qu'il y avait pas de charge d'accusation, ce qui était logique. À moins qu'elle ait fait des trucs entre-temps, je sais pas. Vous m'expliquez, les gars, la cohérence. Voilà, hein. Bah non, là, me fout quand même en prison. La mode gilet jaune activé, quoi. Fans de Screwball derrière les barreaux. Les gars, on peut pas continuer à se voir comme ça. Bon, les prisonniers échappés, putain. Vous avez même pas eu le temps de vous habiller, les gars, vous êtes toujours en gilet orange. C'est les gilets orange, voilà. Je vous demande, ah bah lui il est déjà un peu plus habillé, je pose la question parce que là... Il y a que ça fait un moment qu'ils sont évadés, hein. Ta gueule. Il y a un truc qui a pas changé, Screwball s'arrange pour qu'on fasse le sale boulot à sa place. Eh, hey, je suis sous les projecteurs, dis donc. Bon, qu'est-ce que... Désolé, mon planning est plein. Je suis sûr. Il y a beaucoup de vues, hein. 27 000, hein. Sinon, mes fans vont se fâcher de tout rouge et des gens vont mourir. J'adore la télé-réalité, pas toi? Certaines sont prêtes à tout pour faire du clic. L'armure est assez, trop ça classe. Ça sera intégralement diffusé en direct, alors ne te plante pas. Ouais, les défis de ce Screwball qui me casse les couilles, Screwball. Donc là, c'est 15 000, niveau incroyable, niveau spectaculaire, niveau ultime. Putain, le mec, il se la pète, hein. Il y a pas de truc en mode, oh, c'est juste normal, non. Ok. Défi électromagnétique. Défi gadget. Défi combat. Défi électromagnétique. Il y a qu'un seul défi gadget. Oh là, qui va là, inspecteur. Gadget, youhou, on va essayer de la faire celle-là. Ah, on va tous les faire. Non, ça se mange. Je parie qu'elle utilise un répéteur de signal. Je peux m'en servir pour visualiser la bonne voie. Ouah, c'est magique! Oh là là, les émetteurs de signal qui font des gros tours et tout. Utiliser mes toiles.
vais t'envoyer des cibles de photobombes. Regarde bien. Si je reçois une photo au bon moment, t'as un bonus. Quoi? Et pour gagner des points bonus, un maximum de points. Attends quoi? Ouais. Ouais, le temps restant, émetteur restant. Bon, allez, vas-y. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Putain! Je crois que mes toiles peuvent les désactiver. Si c'était pour regarder, vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense que les trucs de photobombe, ça va aller vite se faire foutre en fait. Ouais, je sais pas. Ça dépend le temps qui me reste. Bon bah va... Ah d'accord, faut appuyer sur le bon... C'est tout des Michelin, hein. Putain, attends, il reste plus beaucoup de temps, mais il en reste à 15, donc c'est tranquille. J'aurais pu faire mieux. Ah, mais j'avais pas déjà assez. Oh bon, tant pis. Bon. Techniquement, t'as fait le job, mais j'ai pas eu un seul like. Ouais, mais tes défis, c'est de la merde. Ça imagine. Je crois que j'ai trouvé la prochaine cible de Black. Ouais, dans ta gueule, moi je fais des trucs de screwball, donc à un moment donné, mamie Jane, on se calme. Et ben, parce que d'après le central de la police, il y a eu un cambriolage qui lui correspond. Je t'envoie l'emplacement. Si tu la trouves, la laisse pas très ridiculiser cette fois. Ouais, je suis spécialiste. Enfin. On dirait qu'elle porte malheur partout où elle passe. Un chat noir qui porte malheur? C'est un peu facile, Pete. Mais c'est que belle et belle. Fusillade d'un coq. Et ouais, témoin d'éclair. Je compte bien donner son avis à la question. Non, t'es pas son émission. Donc il va y avoir une nouvelle émission avec notre ami. Et quand qu'elle passe? Non, il y a pas. Parce que à moins que c'était un truc que j'avais déjà fait, mais bon, attends. Il y a un papillon, non? Bon bah, faisons le défi, hein. Si Jameson il veut pas s'exprimer, hein. Ah merde, on m'a censuré mon direct. Regarde, mes fans. Ils ont commencé par des mots, maintenant ils ont fait Jameson. Je veux pas le savoir. Il faut que je les renvoie en prison pour un moment. Ok. J'aime ta façon de penser, Spidey. Il nous fallait une scène de bagarre. Vas-y, putain. D'ailleurs, attends, niveau de mes gadgets. J'ai d'accord que ouais, j'ai toujours mon speeder fameux compagnon. Putain! C'est bon? Bon, vas-y, là tu me gonfles, toi. Dégage! Rendez-vous!
vas-y. Bon, je voulais faire un truc photobombe, mais il a pas voulu. J'ai pas très bien compris. Ce truc qui marche à moitié, putain. Oui, OMG, OMG 7. Ok, d'accord. Je suis le truc qui me fait n'importe quoi aussi. Je peux pas m'en sortir. Hein. Salut, salut. Si vous venez d'arriver, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Mais putain, c'est lui là que je visais. Putain, j'arrête pas de me foutre à côté de lui, mais non, ça vivait, si j'allais vivre le mec à 3 km. Si proche de la perfection. Tu peux faire mieux. Allez, pour tes fans. Ouais, Jim Woodson. Vous savez que mon premier sujet a été les familles de la Magia. Les ont déclarés disparus. Je t'entends pas beaucoup, hein. Mais à la manière qu'ils s'apparent, elles reviennent des fous. Et c'est justement le cas aujourd'hui. On m'a dit que certains leur sont plus. Elles ne sont pas sous des traces. Elles respectent les règles, à la différence des démons et des cartels. Ah, oh, c'est sans doute vrai. Jusqu'à ce qu'elles se déclarent la guerre entre elles. Et là, les balles se mettent à pleuvoir, les voitures à brûler et les chevaux à perdre la tête. Mon sixième fils me dit qu'une guerre des gangs se prépare. Alors accrochez-vous à vos canoliques. Mais non, j'arrête, c'est pas raciste, j'adore les canoliques. Bon, merci Jameson. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un de ces défis électromagnétiques. Je crois que mes toiles peuvent les désactiver. Oublie pas les cibles de photobombes. Ouais, nickel. Ah putain, putain là. Ouais, truc photo bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, les trucs photo bon, ça va. Il faut juste que je pense à désactiver la caméra parce que quand t'as la caméra, tu peux pas faire le truc. Quoi? C'est toujours pas? Mais putain de jeu de photobombe, ça rate pas. Putain. Oh là là. Oui, oui, oui. C'est tellement merdique à faire, hein. Parce que t'as beau appuyer sur le truc, t'es pas dit, il est long, il est long, toi. Ouais, j'en rate pas une hein, pour aller claquer Spidey. Hein. Il mérite, hein, il mérite. Hein. Je suis tellement d'accord. Vous êtes pas objectifs, les gars. Quand on a un public. Derek Dunks a commenté. Waouh, c'est trop énorme. Merci, Derek. Oh, c'est bon, j'ai compris. Je dois les désactiver dans l'ordre. Mais. Quoi? Mais c'était dans l'ordre! Mais c'était dans l'ordre? Non. Bien, mais je peux faire mieux. Ouais, ouais bon, je croyais que c'était dans l'ordre, mais j'ai pas compris. Soit vraiment bon ou vraiment mauvais, ça rapporte plus de vues qu'être moyen. Bah je te... Tu m'as dit avant que ça rapportait pas de gemmes, quand j'étais nul, connasse. L'autre truc, à vous continuer un peu, c'est les Sims 4, c'est vrai aussi. Viens d'y penser. J'aime bien cette tenue du ghost, machin. Ah, bah enfin. Alors, Yugoslav ne neutralisait les ennemis à la fin du chrono. D'accord. Bon, vas-y. Bon, je balance mon drone. Ouais. Je vois.
Ha! Ouais, de le gros tas de... Donc c'est dans des zones spécifiques, d'accord. D'accord, donc je retiens. Que la fête continue! Allez mes fans, si vous croyez pouvoir... Bon, attends, vas-y, photobombe, là. Je veux pas d'invités. Venez ici. Moi, ces losers de là. Dépêche-toi. On dirait que Screwball s'est installé sur le territoire d'Hammerhead. Ouais, il y a les Hammerhead et des prisonniers, c'est cool. Joli. D'accord. Bon, attends, il y a l'autre con là. Salut, salut! Si vous venez d'arriver, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne! Fresque impeccable! Je devrais mettre ça sur une carte de visite. Ouais, mais je sais pas comment on fait pour faire un pec. Hein. On va faire du golf. Ouais, on va faire du golf. Le mec, what? What? Salut, ou du baseball, oui. Prêt pour un épisode spécial. Grâce au petit virus que j'ai glissé dans ton costume, tu pourras seulement utiliser que deux de tes super gadgets. Je vais devoir suivre ces règles. Matrice, c'est quoi la matrice de suspension? Alors attends, piège. Ok. C'est quoi piège? Les clés sont en place. Renverse-les. Un seul gadget, c'est nul. On veut que tu utilises les deux. Contenu de qualité supérieure. D'accord. Ok, ok, ouais. Putain, mais je peux plus. Bah t'as qu'à m'enfiler, on est aussi connasse. Facile de dire que les gadgets et de ne rien me filer, hein. Par contre ce défi il me schnalab d'idouche. Ah vas-y. Attends. Regardez ça, les gars. C'est ce que j'appelle le Web 2.0.
Vas-y, venez, bande de cons. Ah putain. Venez. Mais vite, vous pensez libre. Utilise les deux gadgets. Alors, il fallait que je me revienne. Non, 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 oublie pas les règles, rien que les gadgets. Ouais, excuse-moi, mais à un moment donné, les avoir qui me trahit la gueule, ça commence à bien aller. Oh, ça va laisser une marque, mais ça remporte des likes. Comme à l'école, j'ai le syndrome du pommier vert. Ouais, ouais, bon, ta gueule, ouais. Bon, moi je l'ai fait. Bon, je suppose qu'il faut bien des losers. Ouais, ouais. Bon, bah, voilà, nouvelle tenue débloquée. Ah, bah voilà, j'ai tenu. Celle-là, on l'a pas encore débloquée, d'accord. Mes tenues Spider Scarlet, on l'a. Oh, bah, je vais pouvoir vous montrer un peu. Je suis impressionné, Spider-Man. Ma nouvelle vidéo a fait un carton. Attends de voir ce que j'ai prévu pour la prochaine saison. En attendant, t'as été scrambolé. Oh, elle est saoulante. Oh, Félicia, qu'est-ce que t'as encore fait? Les flics ont barré toute la rue. Mmh. Si je trouve la piste de Black Cat, j'arriverai peut-être à la rattraper. On dirait que le gardien a été blessé. L'urgentiste pourra me dire ce qui s'est passé. Bijoule, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Spider-Man? Mmh. Il paraît qu'un livre rare a été volé. Et le gardien, est-ce que ça va aller? Il a une photokératite. Une lumière vive lui a brûlé la cornée. Et il s'en remettra. Je dois aller voir dans la ruelle. Si Félicia a fait ça, il faut la trouver. Je fais tomber des gens. Putain. Une fusée éclairante. C'est sûrement ça qui a brûlé les yeux du gardien. Si j'analyse les résidus, je pourrai la suivre. D'accord, bon bah vas-y, on va faire les trucs. Ranaliou, rabalabilidou. Bon, ouais, je dirais que c'est comme ça, ça. Ensuite ça, peut-être, ouais. Et ça, voilà. Pas très compliqué, cette fois-ci. On n'y perd pas 5 minutes. C'est bon. Voilà la piste. On va voir où ça mène. Oh, j'ai du mal à me concentrer. Je peux pas être père. Enfin, si, techniquement, je peux. Mais, oh non. Je dois en parler à MJ, il saura quoi faire. On dirait un membre de la famille Macho. Ah là là, t'as des angoisses. Oh là là, papa. Et voilà un de ses frères. Vous croyez pas que Vito a été mis KO en faisant exactement la même chose? Je l'ai déjà dit au type des Cicero, je bosse pas. Je bosse pas et je coupe, j'auto-coupe mes dialogues. Faut que je continue à suivre la piste. Ah, c'est super ces dialogues qui s'auto-coupent. Hein. Tellement je suis rapide à les éliminer. Hein. Bon, vraiment, ça va là, ça devrait s'enchaîner. On a fini tous les trucs secondaires donc il reste plus que les trucs principaux. Il y a quand même quelques différences, hein, on va dire, au niveau des fringues, il y a des trucs que tu identifies. Je l'ai. Je te dirai ce que je trouve. C'est bon, tu l'as? Ouais. Attends. Où est la clé? Elle a dit qu'elle voulait la porter à Hammerhead en personne. Et je t'avais pas dit de la récupérer, la clé? Si, mais elle lui avait donné les autres, alors j'ai pensé que... Je t'ai dit de faire quelque chose. Et tu l'as pas fait! Maintenant... Tu sais ce qui va se passer. Non. Attends. Attends. Attends, attends. Non. Oh, oh mais non. Tu savais ce qui allait se passer. Tu vas bien mourir. Il aurait pas pu faire une James Bond, intervenir après, tu sais, une James Bond Daniel Craig comme dans Skyfall. Bon. Putain, je déteste quand il y en a plusieurs de ces cons. Parce qu'ils nous ont
Voilà. Bonjour la police, vous branlez pas grand chose, hein. Oh, génial. Tenez, il est temps de le rendre. Tu leur dis pas qu'il y a un truc de clé USB dedans, non? Pourquoi faire? Pourquoi faire? La piste du chat. MJ, Black Cat a une autre clé USB. Encore une, Hammer Red aura la clé de toutes les autres familles de la Magia. Il faut absolument qu'on trouve ce qu'elles contiennent. Il y a un autre truc. C'est sûrement rien. Hein. En fait, ça pourrait être important. Enfin, un peu, ou peut-être. Enfin, bon, t'as prévu de finir quand ta phrase au juste? Ok. En fait, si Felicia travaille pour Hammer Red, c'est parce qu'il a son fils. Ah, je savais pas qu'elle avait un fils. Mais ça ressemble au genre de truc que ferait Hammer Red. Et il y a autre chose. Tu sais que elle et moi, on était ensemble à un moment. Ouais, d'accord. Non mais attends, tu plaisantes. Non mais j'en suis pas vraiment sûr, mais c'est possible. Oh mais bon. Malaise TV. Elle rappellera quand elle sera calmée. Bon, enfin là, je pense qu'elle doit être morte de rire. Hein. Vu sa réaction, elle est en mode oh putain, mais le con quoi. Alors, flexible. Black Canada, d'où c'est chapardeux, c'est quoi ces jeux de mots à la con? Peter, c'est Mike. Ah, la minorité de service. Pas là. Non, c'est bon, pas de neuf. Non, rien. Enfin, tu fais des trucs de Spider-Man en ce moment? Plus ou moins, quoi. Ah ouais? Comme quoi? Je me blala le Spider-Bit. Ouais, sauf si tu penses. Tu veux que je te télépote la tienne? C'est bizarre ou. Enfin, je sais pas quoi. Là, tu le penses sûrement. Ouais, tu me fais flipper là. Y'a pas de soucis, Miles. C'est quoi ce? Y'a pas de soucis, Miles. Vous êtes glauque, hein? Ah, cocorico, la France. Ah non, c'est l'Italie. Merde, où est la France? Salut, MJ. Où est la France? Apparemment, c'est la dernière adresse connue de la planque de la famille Costa. Ah là. Et d'après ma source, ils ont la dernière clé. MJ, écoute-moi. Non, toi, tu m'écoutes. J'ai été un peu dur la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais non, t'as réagi exactement comme j'aurais réagi. On n'était pas ensemble à l'époque. Je suis sortie avec d'autres mecs, moi aussi. Voilà. Attends, d'autres mecs, tu veux dire au pluriel? Ce que je veux dire, c'est qu'on est des adultes. Il y a un enfant en danger. Alors, on va le sauver. Je te mérite pas, MJ. T'as raison. Je crois que je sais ce qu'il y a dessus. Il y a des années, les familles ont mis en place une comptabilité commune pour garantir la paix. Ils ont rassemblé tous leurs fonds. Et il leur fallait les 5 clés USB pour y accéder. Alors Hammer Red a enlevé le fils de Black Cat? Pour la forcer à voler les clés et pouvoir voler les fonds des autres familles. En fait, Hammer Red essaie de faire fortune rapidement en mettant les autres familles sur la paille. On doit trouver la dernière clé USB avant lui. Je m'en charge. Aïe! Oh, c'est parti! On va les défoncer des gueules! Et tête de marteau, ça va! Bon, je pense que cette intrigue, ça va continuer un peu sur le prochain DLC, vu que le prochain DLC est centré autour de Hammer Red. Pour le moment, on en entend beaucoup parler, mais on le voit pas. Donc, je pense qu'on va contrecarrer les plans au niveau de ce qui concerne Black Cat, et puis après, on va s'occuper de lui, même. Félicia! Salut, Félina! Je veux dire, Célicia, Ossia, pour le. Aïe aïe aïe. Par le pouvoir du non c'est ça. La court-circuité mais lance-toi avec une IUM. Va falloir que je me débrouille à l'ancienne. Évidemment là elle court pas haut hein. Alors lâche-moi. Si Hammer aide à ton fils, tu peux pas faire ça toute seule. Et pourquoi pas? J'ai toujours tout fait toute seule. Mais t'es pas obligé. Et pourquoi elle court pas sur les toits là? Je me pose pourquoi la question. Je me fais même pas chier, tu sais, je passe même pas par en dessous, mon dessus. Réponds à ta question, hein. Félicia,
pourquoi tu Spider-Man, Spider-Man. Parce que c'est pas ton problème, c'est le mien. Et je m'en occupe. Mais c'est peut-être pas un problème pour moi. Sauf si tu parles de la guerre des gangs. Ça, c'est un problème. Laisse tomber, Spider-Man. Je peux me débrouiller. Lance-toi le son de retour. On va s'amuser. Je peux t'aider à arriver à Morel. Ah ouais, et comment? Tu te passes entre pas par réfraction? T'arriveras à rien. Félicia, au sujet de ton fils, je dois savoir. Est-ce que... C'est mon fils. Et je m'occuperai de lui. Bonne ambiance. Je veux juste discuter. Oh bah t'es relou le stalker. Tiens moi je t'aime, j'ai pensé à toi. Faudel, sort de sa coiffe. Je peux tenir toute la nuit s'il le faut. Alors là, tu m'intéresses. Je crois que je vais devoir passer la seconde. Et je me demande pourquoi elle a pas fait ça. Elle était conne hein, sur le coup, parce qu'elle avait paralysé ses défenses, mais elle a pas fait ça dès le début alors qu'elle l'aurait sommé hein. Comme il pouvait pas Tu vois, c'est elle veut se faire attraper là, à un moment donné, là, hein. Quand tu regardes hein. Typiquement elle aurait pu le sommer hein, sans problème. Pourquoi tu m'enfoiles? Parce que j'essaie de te ralentir. Hop. Oh. Ah. Je l'ai eu. Je peux la viser. Je dois juste me rapprocher et ce sera terminé. Tiens, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Oui, bon, je l'ai eu, hein. On peut se parler comme des êtres humains. Je trouve qu'on est très humains, là. Je sais ce qu'il y a sur les clés que tu voles. Eh ben, il n'y a pas que du muscle là-dessous. Ne donne pas la dernière clé à Hammerhead. Dès qu'il aura ce qu'il veut, ton fils ne lui servira plus à rien. Laisse-moi t'aider. À quoi est-ce que tu penses? Retarde-le. Qu'on ait le temps de trouver ton fils. Tu m'as manqué. Ravi qu'on se remette ensemble. Non, pas comme ça. Dommage. Bon, je peux peut-être gagner 2 jours, Grand Max. Au sujet de ton fils, c'est possible que je sois... Plus tard. Il faut d'abord qu'on le retrouve. On discutera quand il sera en sécurité. On se tient au juste, Spidey. Oh, MJ va me tuer. MJ, tu vas me tuer! Ouais. Elle va retarder Hammerhead pendant qu'on essaie de trouver son fils. Elle t'a dit si t'étais... Elle a rien dit. Évidemment. T'es sûr qu'elle essaie pas de te manipuler? Non, je la connais. Elle travaillerait pas pour un type comme Hammerhead si elle avait le choix. Ok. Bon, je vais vérifier la plaque que tu m'as envoyée. Je te dirai ce que ça donne. Tu es HS. J'ai besoin d'un peu de carburant. Pizzeria chez Eddie. Eddie, c'est Spider-Man. Spidey, t'as l'air affamé. Tu m'étonnes. Tu peux me faire comme d'hab? Tu fais mon pepperoni? Je m'en occupe. Livraison sur un toit? Ouais, parfait. Le même toit que la dernière fois. Je te rappelle dès que c'est prêt. Ce sera pas long. Ouais, il me donne faim, ce con. En attendant, Eddie, je vais aller faire un tour en ville pour voir ce qui se passe. On va bouffer une pizza avec le masque.
Putain, ils ont tous envie de la niquer. C'est pas possible. Yeah! Ah putain, la scène! Je vais vous défoncer! Hey Miles, c'est re-moi. C'était quoi que tu voulais me demander tout à l'heure? Hey Peter, je voulais juste. Enfin. Oh, c'est pas grand chose. Je sais que t'es super occupé. Mais je me demandais si t'aurais du temps un jour. Pour qu'on commence l'entraînement. L'entraînement? Ouais, peut-être. Juste des trucs de base. Genre. Se balancer d'un immeuble ou d'un immeuble. Se balancer ou d'un immeuble se balancer. T'as 15 ans. Concentre-toi sur tes études. C'est vachement plus important que de faire. Ouais, mais si je finis mes devoirs en avance et que t'as du temps libre un jour. T'as bien commencé quand t'avais 15 ans, toi, non? Et j'ai failli y laisser la peau une centaine de fois au moins. Hors de question que tu vives ce genre de truc. D'accord. Ouais, je comprends. T'es nul, Spendy! Sans déconner, qu'est-ce que je vais faire de ce gamin? Oh là là, j'en ai marre de m'occuper plein de gosses là! Devinez qui est de retour? Le félin maléfique, Black Cat! Apparemment, elle aurait mené Spider-Man par le bout du nez avant de filer! Vous avez remarqué que c'est un classique entre eux. Il est capable de maîtriser un bon gros dinosaure ou un rhinocéros humanoïde sans problème, mais cette petite minette le dépasse. Alors, comme j'étais moi-même encore jeune homme, il n'y a pas si longtemps, je comprends. Des jolies gambettes, un postérieur généreux et quelques battements de cils suffisent à faire perdre ses moyens à un garçon aux hormones en folie. C'est pour ça que Spider-Man devrait laisser les professionnels se charger d'elle. Nous avons des femmes agents de police maintenant. Alors, qu'elles nous prouvent qu'elles valent les hommes. Personnellement, je n'en doute pas. Hein. Mais certains ne sont pas aussi progressistes que moi. C'est bon, Spidey. La pizza est prête. Ouais. Merci. Tu me sauves la vie. T'as le meilleur objectif de mission, c'est ton quoi. Boulot, ça. Et si t'as ta pizza, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. C'est toujours bon pour le business. Ok, à plus, Eddie. Putain, ok, c'est bon. J'ai jamais eu aussi faim. On va devoir faire un mini-jeu pour bouffer la pizza. Putain, c'est comme quand il faut bouffer la crêpe dans Saints Row 4. Ça me rappelle Deadpool aussi, le jeu. Oui, de tout bouffer, putain. Et ça finissait avec la tonne de vaisselle. Contre Jameson, on l'entend pas beaucoup hein, dans ce scénario. Pour le moment, on en a eu 4 de lui. Bon, il y en a certains qui diront c'est déjà beaucoup trop. Mais allez, mauvaise langue. Hein. Bon, c'est parti, mon kiki. Je pense qu'on va faire l'avant-dernière mission, une connerie comme ça. Salut, toi, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, c'est moi. Bonjour, je monte. Au revoir. C'est bien que tu te fasses un câlin, petite fat. Manon. C'est au moins pas déjà occupé, non? C'est pas déjà occupé, là-haut. Je mangeais. Miam! Avec ce look. T'as une bonne faim. Je t'aime vraiment. Mais là, je vais devoir t'anéantir. Et il la jette. Il y a un mec qui se prend une pizza en pleine gueule. En bas. Comment tu fais pour bouffer avec le masque? Bon, après, le masque Ghost Spider, ça passe. Hein. Hey, j'ai cherché la plaque. Elle est enregistrée au nom de l'entreprise de stockage d'un vieil ami. On t'a carné, MJ? Je suis sur place. Une petite minute. J'arrive dès que possible. En attendant, je vais jeter un coup d'œil vite fait. Bah, dis donc, MJ, tu nous avais manqué. Alors... hein. Pour commencer, je vais vérifier si le gosse est ici et le mettre en sécurité si c'est le cas. Je fais quoi si le gamin ressemble à Peter? Non, arrête, MJ, arrête. Salut Michel, ça va? T'arrêtes pour les c'est maintenant ouvert. Regardez le jonc. Je me casse. Si on se casse, c'est rigolo. On peut aller se promener en ville? La, 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 la. Non, on peut pas. Au moins j'ai essayé. Hein.
Salut. Pouf. Putain, heureusement qu'ils freinent super bien les véhicules hein, et qu'ils roulent pas trop comme des cons. Oh putain, ce freinage hein. C'est bon, c'est Terminator. Tatam tam tatam. Tatam tam tatam. Ouais, c'est trop ça. C'est MJinator. Elle va vous photographier la gueule. Je crois que ce type a besoin d'une sieste. Ouais, là, c'est vrai qu'il a toujours son taser. C'est quoi? Des faux billets. On dirait que Hammerhead a un nouveau hobby. Faut photographier quoi? Je dois prendre une photo avant d'y aller. Ah là. C'est bon. Stewie, donne-moi un coup de main. C'est plus lourd que ta mère. T'es dingue, je peux pas soulever ça. Tu sais bien que j'ai une sciatique. Hé, hey, Mikey, tu peux m'aider? Stewie est en face terminale de magie. Un homme à terre. T'es faux. Il a éliminé l'autre con. Il se tourne. Moi je veux tous les éliminer maintenant que j'ai le putain de taser. Y'a quelqu'un? Et ensuite on balance là-bas. Putain, mais d'où il fallait qu'il y ait le con qui vienne là? Faut qu'il arrête les films d'horreur. Putain, fallait qu'il y ait un connard. Putain. Fais pas chier toi, putain, d'où t'es venu? Voilà. Ouf. Je l'ai eu. Vas-y. Voilà. Ouais, ouais, moi je les neutralise tous. Il y a pas de raison. Allez, viens là, connard. On va tous leur taserifier la gueule. Ton boulot et normalement tu le sauras jamais. Personne vient ici. Venez, venez, Monaco. Hein? Je ferais mieux d'aller voir. Non, ils peuvent pas se déplacer. Y'a rien ici. Waouh, ça en fait du fric. On dirait que c'est des faux. Je devrais prendre encore une photo. Elle est bonne. Elle est bonne celle-là. Un signe du gamin. Ça me fait déjà bizarre d'imaginer Pete, papa. Alors j'imagine même pas ce que ça lui fait. Je crois qu'il fera un bon père. T'as fumé. T'as fumé. Nous, un bon père. Ce serait le père qui ferait chier pour n'importe quoi, tu sais. Trop préoccupé. Bon, après, c'est déjà mieux que le père qui bat son fils, hein, on est d'accord, mais c'est quand même le frère trop protecteur et qui ferait chier. Il y a les deux extrêmes, il hein. Y a le mec qui s'en bat les couilles, qui frappe le gosse et tout, et il y a le mec qui est trop protecteur et qui prive son gamin de plein de trucs. Ça c'est plus Pete. Un manifeste de livraison. Il doit y avoir leur centre de distribution. Toi tu fumes la marijuana, mon gars. Allez, allez. Hors de question. Oh non. Ok, on fait la peau. La famille Costa cherche les embrouilles. Ils veulent la guerre, on dirait. Faut que je prenne le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. C'est lui, Hammerhead. Non, c'est un patron qui n'est pas Hammerhead. Bon, j'ai toutes les infos sur l'entreprise de livraison. J'espère que ça nous dira où il cache son fils. Je me pencherai dessus plus tard. Pour l'instant, je dois sortir de là. Discrètement. Hé, c'est vrai que Hammerhead a survécu à une balle dans la tête? Ouais. Vas-y, je vais taserifier la gueule. J'ai tellement de taserifier la gueule, toi. Yippie! Ouais, je fais plus, là. J'ai la flemme hein, de faire des trucs de photos. Hein.
qui va ranger? Toi. Moi? Pourquoi pas toi? Voilà. C'est bon, j'ai réussi à tous les niquer. Voilà. Vas-y, va là-bas, connard. C'était quoi? Je crois que j'ai assez traîné ici. Faut que je parte, et vite. Allez les gars, c'est par ici. On parle de la situation. Donc les Costas vont nous poser des problèmes. Si c'est le cas, Hammerhead leur causera des problèmes encore plus gros et plus sanglants. Allez, viens. Viens par là-bas, connard. C'était quoi? J'ai envie de l'éliminer, lui. Arrêtez! Je crois qu'il y a moyen de la tirer au loin, lui là-bas. Ça, c'est pas mon imagination. Hein? Si c'est un pigeon, je vais en faire du papier. Il est à terre! Faut que je fasse un test d'audition. Putain. Il a failli me repérer, le con là. Oui, il y a moyen de la tirer quelque part, l'autre con là. Hé, hey, venez ici! Attends, t'as tiré là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Hé, tous tasés! Voilà. Je suis tout éliminé. Ça aurait pu vraiment très mal tourner. Pardon. Qu'est-ce que tu fous? T'as en plus la tenue, quoi. Pourquoi tu sens la pizza? Bah, parce que je viens d'en manger une. Sache que pendant que tu cassais la croûte, je rassemblais des preuves et j'essayais de retrouver la trace d'un gamin. J'ai mangé aussi vite que j'ai pu. J'ai des trucs à étudier en détail. Je t'appelle plus tard. Résultat, maintenant j'ai une chiasse d'enfer. Note pour plus tard, pas de cochon pendu après la pizza. Ah, salut, hey, Blackouille. J'ai besoin de ton aide, je t'envoie l'adresse. Mais ça? Qu'est-ce qu'il... Et est-ce qu'il dure que je vais accourir vers elle? Et voilà, j'accours vers elle. Bon petit chien. La réunion avec Black Cat, je vais tellement. Pourquoi pas Catman, non, sur le top. Yeah. Ok, c'est pas mal tout ça, dis donc. Hein. Hey, Peter. Encore lui. T'as raison, je dois me concentrer sur les cours pour l'instant. Ravi de l'entendre. Mais je veux rester actif, alors j'ai demandé à intégrer l'équipe de basket. Ça va, ça? Ouais. Fais juste gaffe. Il faut que ça reste crédible. Fais rien de trop voyant, tu vois. Comme quoi? Bah, pas de dunk pour commencer. Ah, d'accord. Bien sûr. Nice. Je suis arrivé qu'une fois. Le type était un naze. C'était trop classe. T'aurais dû voir ça. Nice. Je recommencerai pas. Juré. Tant que t'acceptes... Tu vois qui je suis en père, hein. C'est pas dit. Cool, cool. C'est bon, j'ai des devoirs à faire. Je file. Il arrive comme ça devant Black Cat. Ouais, je suis con. Ouais. Bon. Allez, on va bientôt le terminal, là, on sait. Salut. C'était vrai cheveux, je peux les toucher. Qu'est-ce qu'on a? Un vieil ami m'a donné une info. Hammerhead garde quelque chose d'extrêmement précieux dans les bureaux au-dessus du bar. Il y a du monde là-dedans.
S'il me voit, mon fils est mort. Il a fait sortir. Toi, tu profites. Non, mais la tenue, franchement, je la garde hein, jusqu'au bout. Mon héros. Arrête. Allez. Par les deux ensemble, les alors, vas-y, attaquez les ennemis à l'extérieur, putain. C'est plus facile avec MJ, niveau infiltration, qu'avec Spidey, hein. T'es conscient ? Bon, vas-y, nique ta mère. Pas envie de faire infiltration. Eh, le barman, on se capte. Putain, je lui ai cramé la gueule, là. Il est mort. Mais non, ça va, tranquille, j'ai juste le visage brûlé au 180e degré, hein. Mais c'est peinard. Il est Molotov Man. Molotov Man. Hammerhead a acheté un coffre anti-effraction grand comme une chambre pour y stocker ses biens les plus précieux. Ouais, comme un gosse enlevé. T'as une idée d'où se trouve le coffre? Non, toujours pas. Mais j'ai d'autres dossiers à regarder. On cherche encore. Ça suffit. Ils ont disparu, ils vont être un d'un coup. Accordez-vous cette danse. Enfin ! Fais gaffe, tu te ramollis avec l'âge. Avec l'âge ? Hé, hey, je ne vieillis pas, je grandis. Ouais, espèce de petit gamin, la petite soeur. Ouais, je ne vieillis pas. Ah ouais, je voulais voir quelle animation ça faisait avec le mec à Gatine, mais c'est rigolo. Je vais péter toutes les tables, hein. Non, je... Allez, vas-y. Il reste une table, là. Il reste un siège. T'habitues pas trop. Attention, grenade. Tiens, voilà, c'est bon. Où j'habite ? Après toi, Spidey. Non, non ! C'est le patron, lui. Champagne. T'as trouvé l'emplacement du coffre ? Non, mais on s'en approche. Et je suis sûre que c'est là qu'il cache mon fils. D'ailleurs, à ce sujet, il faut vraiment qu'on discute tous les deux de... Ça ne te manque jamais. Quoi ? Me faire tirer dessus pendant que tu piques des trucs ? J'ai essayé de rentrer dans le droit chemin. J'ai trouvé un boulot sans aucune effraction. Je me suis même mise à porter des joggings et des tongs. Je me demandais où t'étais. Ça a dû être dur pour toi. Surtout avec un enfant. Je dois aller voir ça de plus près, si je veux le retrouver. Laisse-moi t'aider. Si on est censé coopérer, il... Parfois, je m'en sors mieux toute seule. Parfois. Je t'appelle si jamais j'ai besoin d'un coup de main. Voilà Spider-Garce. Protéger Black Cat. Bon bah vas-y. Salut MJ. T'as trouvé des infos intéressantes sur ce portable ? Je décrypte les données. Je vais bientôt avoir un résultat. Ok. En attendant, on a une autre piste. On pense qu'Amuret plante son fils dans un coffre. Et on sait pas où est le coffre. Quand j'aurai décrypté ces fichiers, on pourra peut-être combiner ce que j'ai avec ce que t'as. Pas d'allusion graffeuse là-dessus, s'il te plaît. Oh, pas facile de résister quand on me sert ça sur un plateau, mais... D'accord. Merci MJ, t'es mon courant. Ok. J'ai un peu de temps libre. C'est bon. J'ai bien toujours le... J'ai un peu de temps libre, mais j'ai rien à foutre, espèce de débile.
De nouveau en équipe, il y a les auditions, personne rien, intéressant. Et pizza, la pizza pastèque, franchement, c'était pas mal, ok. Ah, putain, je commence à croire qu'on t'entendrait plus parler de toi. C'est mieux, non? Eh ben non! Ils oublient leur code à la seconde, ça les arrange! Parce qu'un criminel reste un criminel. Ce sont par définition des lâches, des poiriens et des vermines. J'ai pour ainsi dire éliminé la magie à moi tout seul dans les années 80. Et je veux vous dire, je suis prêt à recommencer. Je n'ai pas peur d'eux. Ah, ça non! Ah, venez me chercher! Je vous attends! Bon, nous manquons de temps. J'arrête, va démarrer la voiture. Comment ça? Non, c'est moi le chef. Je l'ai dit d'y aller. Arrête de chouiner. Vas-y, Jameson contre la magia. En vente, le numéro 1 chez Panini Comics. Salut! Peter, j'ai enfin décrypté le portable. Tu sais, ce coffre énorme dont tu m'as parlé. J'ai trouvé un rapport de livraison dans un chantier naval près de Hell's Kitchen. On peut pas y envoyer Daredevil, ça me ferait une épine de moins dans le pied. Vu l'heure, soit t'appelles pour qu'on s'amuse, soit t'as trouvé un truc. Ouais, bon, j'espère. Je t'envoie l'adresse, on se retrouve sur place. Une vidéo de Spider-Man pourchassant Black Cat sur les toits de la ville tourne en boucle sur Internet. Apparemment, des hordes de jeunes gens les encouragent. On les appelle des followers. Et c'est la guerre des followers. Alors ils se déchirent au sujet d'une relation amoureuse éventuelle entre Spider-Man et Black Cat. Certains sont pour, d'autres farouchement contre. Et vas-y que ça s'échauffe, et vas-y que ça s'enflamme. De mon temps, on n'avait pas le temps de se disputer au sujet des relations d'autrui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on avait un boulot. Eh ouais, un boulot. Vous savez ce que c'est un boulot? Alors écoutez bien cette annonce de J. Jonah Jameson à l'attention de la jeunesse d'aujourd'hui. Vous aimez vous battre? Engagez-vous dans l'armée! C'est l'heure de la lutte finale. Vous êtes prêts les gens? MJ a assuré... On va sauver le fils. Cet endroit est isolé. Enfin, si elle a bien un fils. Il pourrait y planquer le gosse un moment sans éveiller les soupçons. On l'a pas encore vu et ça parle d'un coffre, donc si ça se trouve il y a juste des trucs à l'intérieur. C'est sûr. S'ils nous voient, c'est foutu. On doit les éliminer. Comme au bon vieux temps. Pâte de velours. Et discret comme une araignée. Enfin, pour le moment... Il va falloir rester discret. Ok, elle peut vous aider, mais ici, mon silence. Ok. D'accord. Et elle, elle disparaît pas comme Spidey. Non, ça va, c'est mieux branlé quand même. Salut petite. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Il y a personne là-bas. Viens là, tu pouvais éliminer. Okay. Bon. Ça fait un paquet de gardes. Ça va pas être du gâteau. Je vais la laisser faire, non, parce que Spidey dit discret comme une araignée, mais jusqu'à maintenant, c'était pas la discrétion, c'était pas vraiment son fort. Hein, on est d'accord. Hein. Oh mais putain ils veulent pas se séparer. Putain en même temps oh là là bon là je peux pas dire vraiment qu'ils sont cons hein, et ils sont surtout super intelligents, ils se séparent pas, c'est con. Lui là? Ouais vas-y élimine-le. Ça c'est pas de chance. Joli. On forme une bonne équipe, non? On va essayer d'en éliminer d'autres parce que ceux-là. Ceux-là ils veulent pas se séparer pour le moment. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres à con. C'est quand tu veux, Spidey. Voilà, il faut éliminer les snipers, parce que ils peuvent être casse-couilles. Bien joué. Voilà. On continue comme ça. Mmh. Vas-y, l'autre snipe. Il y a lui éliminé et l'autre nickel. Là-bas. Il est mis le. Super.
celui-ci demande qu'à être cueilli. Plus que 9, on dirait. Un parvis. Pas droit à l'erreur. Bon, on va essayer de les éliminer, mais ça va pas être facile, moi je dis. Putain, c'est lui que je voulais attirer. Ah, ça va être pète couille par contre. J'arriverai peut-être à les éparpiller. Ça va être galère, hein. Et lui, on peut pas l'éliminer là ? Voilà. Et un moins. J'adore quand tu prends les choses en main. Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais peur là ! Élimine-le ! Il est pas assez séparé lui ? Putain, mais il y a l'autre qui se rapproche ! Non mais comment tu veux, vas-y ! Il traîne tout de suite. Bon, lui là-bas, on aurait pu l'éliminer, mais voilà. Ah, cette partie, hein, ça passe hyper bien. Je sais pas comment on va faire là, par contre. Parce que là, c'est peut-être cool. Ah, là avec un peu de chance. Oh putain, mais non, il sépare pas les cons. Mais non ! Encore cette vieille technique ? C'est bon ? Oh non ! Mais non ! Ok, elle est débile, Black Cat. Qui peut pas éliminer le mec ? Ok, bah cette mission, j'ai pas envie de la refaire. Hein, à un moment donné. Les bagarres dans les bars, c'est courant dans cette ville. Mais celle qui a dévasté la Blackwing Taverne était plus qu'une échauffourée entre ivrognes. Cet établissement aurait des liens avec la Magia, si tant est que le conditionnel soit utile ici. Et devinez qui était mêlé à tout ça ? Spider-Man et Black Cat ! On peut se demander qui est dans quel camp ? Spider-Man et Black Cat travaillent-ils pour des familles rivales ? Ou bien pour la même ? Je n'hésiterai pas à aller plus loin et à poser une question plus audacieuse. Sont-ils en train de créer leur propre famille de la pègre ? Alors ? Hein ? Ça expliquerait pourquoi Spider-Man, qui n'a de toute évidence aucun respect pour la loi, s'en prend aux criminels. Ça fait moins de concurrence pour lui et sa poulette ! Sa poulette ! Le retour de Bonnie and Clyde ? On l'icra ! Bon, il reste plus que les deux là. Ah, c'est pas facile de s'en sortir en infiltration quand quand ta partenaire est aussi conne que toi. Non mais je veux dire, là, elle aurait pu l'éliminer, mais non, si tu lui dis pas, c'est rien foutre. Hein. Qui éliminer le maître ? Et on se serait pas fait niquer. Vas-y, fais-le. Fais-le ! Putain. Ils sont tous KO. Ouais, il me gonfle pas. C'est bon. On a éliminé tout le monde. Et ton gosse ? Il y a de la place pour planquer un coffre par ici. Toi, va voir les conteneurs pendant que je fouille ce bâtiment, là-bas. Félicia. Quoi ? Je suis désolé qu'Amoret t'ait fait ça. Ouais, eh ben... Il va se rendre compte que... Si on s'en prend au chat... On se fait griffer. Faudrait jeter un coup d'œil dans ces conteneurs. Alors, ici, Seulement des cartons. Allons voir ailleurs.
Vas-y. Du piano. Ok. Chelou. Du matériel, mais pas de gamin. Il doit forcément être dans un de ces conteneurs. Non, pas ça. Certains ont des bouches d'aération. Pratique pour vérifier. Je dois continuer à chercher. Et lui, on peut pas l'ouvrir ? Ah si. Ouais, mais c'est comme d'hab, il décide de le faire à la fin. Sable international ? C'est quoi ce truc ? Oh. Hammerhead a des armes de sable ? Je me demande ce qu'il a d'autre. Bah, il a ça. Ça répond à ma question. Spider-Man, tue-le ! Ah, évidemment. La discrétion. Sacré mélange, t'en demandez pas tant. Allez, vas-y. Et là, ils peuvent pas être une menace aux gosses. Hein ? Je dis ça, je dis rien. Félicia, tout va bien ? C'est vrai que techniquement, et là, ils sont pas une menace aux gosses. Bon, par contre, elle répond pas à Félicia. Bon. Tiens, on les élimine tous. Putain, encore. Et les mecs, gâtés. Et on lance roquette. VBT, lance roquette. J'espère que c'était pas dedans qui était le gosse, hein. Tiens, voilà. Je dois me débarrasser de ces mecs et retrouver Félicia. Elle répond pas en plus. Dites, vous êtes sûr de savoir utiliser ça? Mais putain, okay, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Ah, j'adore parce qu'il est quand même fait n'importe quoi. Tiens, voilà, c'est ça que je voulais faire. Bon, c'est bon. Et voilà le travail. Ouh, ça va piquer demain. Bon, maintenant, trouvons Félicia. Allez, vas-y. Elle a dit qu'elle entrait dans ce bâtiment. Félicia ! La chambre forte. Félicia ! Non, non, tu me fais marcher, là ! Dis-moi que tu t'es pas foutu de moi depuis le début! Désolé, mon chou. Mais j'avais besoin d'aide pour réussir un si gros coup. Alors pourquoi il y a eu échec de la mission avant s'il n'y avait pas de gosse? Toute la fortune de la magia. Dans le creux de ma main. T'as donné des fausses clés à Hammerhead? Tu crois qu'il va m'en vouloir? Alors. Le kidnapping? Ton fils? C'était des mensonges? Oh, c'est un bien grand mot. Je dirais feinte, plutôt. Fais le bon choix. Rapporte les clés à la police. Et je les ai méritées. De toute façon, rien n'empêchera Hammerhead d'atteindre son but. Tout ce que j'ai fait, c'est le ralentir un peu. Y'a plus personne dans la cour! Vérifiez le coffre! Je dois y aller. Je boirai un verre à ta santé, à Saint-Trope. Félicia! Moi, je m'indigne. Bon, après, je me suis dit. À la base, je me disais, mais si ça se trouve, il n'y a pas de fils.
Mais comme j'ai eu l'échec de la mission, je me suis dit, bah normalement, il est pas censé avoir l'échec de la mission s'il n'y a pas de fils. Eh bah si, je vais aller savoir pourquoi ça fait échec, hein. Parce qu'en fait, personne se fait buter, mais bon, c'est parce que le jeu, il a dit, eh bah sinon, ça vous spoil le truc. Je déteste quand le jeu me prend pour un con comme ça. Il y a un traceur sur cette clé. Trouvez-la et tuez-la. Si elle est assez stupide pour retourner dans son appart, j'ai une équipe qui l'attend là-bas de pied ferme. Et les clés USB? Je m'en fous complètement des clés USB. Je la veux morte. Bien, on va la retrouver. S'il y a un mouchard dans cette clé, Felicia est en danger. Il faut que je la retrouve, et vite. Bonjour. Je te manquais déjà. Hammerhead sait où tu es, et il compte te faire ta fête. Il y a un mouchard dans la clé. Il y a un truc que je piche pas, Spidey. Tu viens de te la faire à l'envers, et toi t'es là à essayer de me sauver la peau. Comment tu fais pour être toujours si gentil? Il s'agit pas d'être gentil, mais de faire ce qui est juste. T'es bourré de talent. Si seulement tu voulais bien en faire profiter d'autres que toi. Ouais, ouais. Depuis le temps, tu devrais savoir que c'est pas du tout mon trip. Il n'est jamais trop tard pour changer. Bisous, Spidey. Tu me manqueras. Attends, ton appart, il y a des explosifs chez toi! T'inquiète pas. J'ai encore mes 9 vies, tu te souviens? Merde. Je vais aller me suicider. Ouais, non, de toute façon, c'est bon. Elle va feinter sa mort, c'est Félicia, elle va faire comme son pépère. Hein. Non, moi, j'ai pas du tout de crainte. Hein. Elle est claire, elle maîtrise clairement la situation. Là. Elle a 30 coups d'avance, hein, c'est Sherlock. Hein. Toi, t'es un minus. Salut. Bah alors, on se retrouve à Saint-Trope. À suivre au prochain épisode. Je crois pas qu'elle est morte. Ou alors elle est suicidaire. Mais ça, c'était pas un truc introduit dans son personnage. Hein. Non, parce qu'elle était clairement au courant du danger. Pourquoi elle est là si... sans plan de dessus, je veux dire. Hein. Ouais, c'est bon, on passe hein, le générique. Ça va 5 minutes. Allez. Et donc, à suivre au prochain DLC, hein, les gens. Waouh. Ils n'ont toujours pas retrouvé le corps? Non. Tu crois qu'elle a survécu? Je sais pas. Enfin, c'est possible, mais... Alors? Le dîner en famille? Non, c'est une vraie question. Honnêtement, je suis plutôt soulagé. J'ai trop de trucs à gérer, tu vois. Oui, c'est sûr. Pourquoi tu veux un gosse ? Je suis certaine que tu feras un père génial un jour. Quand ce sera le bon moment. Et avec la bonne personne. Il sera Rockmouth. Modiro, ce sera Kyle Profowski. Allez, l'honneur n'a pas d'argent, je suis... Vous êtes un SAK, c'est le résultat continu dans la campagne de la guerre des gangs. Ouais, spoiler UK qu'on va utiliser dans ce prochain DLC, hein. Bon, royaume livré, nouvelle tenue, oui, c'est bon. C'est bon, je peux bouger. Merci. Oui, sous le charme de est-ce qu'on va avoir du Jameson? Ah, il y a des trucs. Son, vous avez vu, plus de chez Eddie, pour tout le Ménéthane, merci, il y a Nightcrawler, j'approuve ce message, vous avez vu. Comme avec les démons, j'espère que personne n'a été blessé. Ok, c'est sympa, Spider épouse-moi, ok. Ok, c'est un coup qui me plaît, frère, sœur, comme ça. Non, il n'y avait pas un truc de conversation qui s'en cachait là? Oh, j'ai cru. Vous voyez que Jameson il va parler pour la fin? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez vu. On va voir le nom pour le prochain DLC. En attendant, on va blablabla.